J'ai jamais été aussi content et autant dans la mouise jusqu'au cou en même temps. À part une fois peut-être où je croyais arriver en retard à un examen. Bon, j'étais arrivé à temps parce que je m'étais dépêché et tout. La mouise, c'est qu'en fait j'avais oublié mon sac. Bon, là c'est quand même un degré au-dessus parce que je suis quand même un peu enfermé dans cette salle. Oui, enfermé, oui, parce que y a des contaminés partout. En tout cas, devant la porte, là, c'est... Ouais, ils sont tombés là et maintenant ces bâtards, ils bougent plus d'un pouce. Vous allez me dire, oh, mais comment ils sont arrivés là? Mais c'est très simple, c'est très très simple. Ils ont juste suivi ce petit con. Que je suis en colère. Enfin si, j'ai grave les boules, parce que c'est quand même une situation de merde. Mais en même temps, je veux dire, s'ils ont pu rentrer, c'est que j'avais sans doute oublié de fermer un peu les portes. Et puis, de l'autre côté, j'ai un compagnon maintenant. Je suis plus tout seul, un compagnon vivant. Bon, il parle pas, mais au moins il est vivant. Pas vraiment un petit Milou, oh oui, hein. Mais ouais, mais Milou, mais ça le ferait grave, ça. Nous voilà partis, mon brave Milou. Bon, Milou, il se serait pas fait suivre, parce qu'il est pas con, lui. Mais en même temps, comment lui en vouloir? J'ai jamais eu de chien avant. Non, j'avais bien des amis, mais pas aussi poilu. Ni aussi mignon. Oui. Ah, elle est bien loin, l'époque des amis, des amours et des emmerdes. Surtout des amis, d'ailleurs. Parce que pour ce qui est des emmerdes... Que sont-ils devenus tous ces amis? Ont-ils réussi à se réfugier? Où êtes-vous? Lisez Luc, Sylvia? Attendez-moi. C'est une raison de plus de s'inquiéter. Je veux dire, peut-être ils ont été infectés. Et si lui venait à l'être, est-ce que je devrais lui tordre le cou et voir mourir à travers de chaudes larmes mon seul ami qui m'aurait tant apporté par le passé? C'est vrai que c'est mon seul ami, et je dois le nourrir du coup. Et là encore, c'est plus la flip. Qu'est-ce qui va se passer une fois que tout sera vide ici? Hein? Et moi, comment j'irai faire pour me ravitailler avec les machins devant la porte? Est-ce que je suis condamné à plus manger? Ou pire, à manger les betteraves en bocaux qu'il y a derrière? J'aime pas les betteraves. Je hais les betteraves. J'exècre les betteraves. Je suis psychologiquement allergique aux betteraves. Oh, devoir se nourrir, c'est vraiment trop la merde. J'espère qu'ils vont pas rester longtemps, les autres machins. Il va falloir que je garde un œil sur mes rations. Et en particulier sur mes faillots. Que personne ne me vole mes faillots. Mes précieux faillots. Oh. Non, précieux. C'est ma bouffe. J'aurais préféré que ce soit un Doberman. Ou un loup avec des canines aiguisées comme les couteaux d'un chef cuisinier d'un resto 5 étoiles. Ou mieux, une chienne en chaleur, parce que c'est quand même vachement féroce. Attendez, c'est vraiment pas ce que je voulais dire. Attendez, ce chien est fou. En voyant Milou, je me dis que si un chien a pu survivre, des humains aussi ont dû survivre, quelque part. C'est pour ça que, même si je peux pas les contacter, je dois continuer à chercher. Je dois en avoir le cœur net. Après tout, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et mon dernier espoir maintenant, c'est la radio. Oh l'enfoiré! Il a pissé dessus! T'en fais pas. On va trouver mon vieux Milou. Ah.